Bonjour, bienvenue à cette rencontre organisée dans le cadre du festival Effraction dédié à la littérature contemporaine. Je m'appelle Alexis Broca, je suis journaliste au magazine Lire, magazine littéraire, et j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Laurent Mauvignier. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, je vais essayer de vous présenter un petit peu. Laurent Mauvignier, vous avez commencé à publier en 1999 avec Loin d'eux, qui inaugurait un cycle de romans plutôt intimiste, mais où se retrouvent déjà des techniques que l'on retrouvera dans nombre de vos romans, et notamment une façon de glisser très naturellement d'un narrateur à l'autre et d'une intériorité à l'autre. Puis vous avez écrit des romans plus amples, citons notamment Autour du monde, dont le titre ne ment pas, puisque c'est un roman dont la narration fait littéralement le tour du monde. Elle part du Japon à l'heure du tsunami, traverse des dizaines de consciences et revient comme ça à son point de départ. Vous avez écrit aussi des hommes qui s'intéressaient aux événements d'Algérie et aux conséquences de ceux qui y avaient participé après leur retour en France. Et bien sûr, Histoire de la nuit qui est sortie à la rentrée littéraire. Alors, Histoire de la nuit, je vais commencer par le décrire comme un thriller. C'est un thriller qui raconte la nuit de terreur vécue par une famille rurale qui se retrouve littéralement séquestrée, prise en otage chez elle par des gens armés dont les raisons se découvrent peu à peu. Et en même temps, eh bien, c'est un roman qui est porté par une écriture que, pour ma part, je n'avais jamais vue en littérature de genre. Une écriture qui est tissée de phrases très longues, serpentines, capable d'agréger descriptions de la ferme, pensées des personnages, dialogues, et ainsi de se glisser dans toutes les anfractuosités du réel, qu'il soit visible ou invisible. Et cette écriture, elle vous permet aussi, Laurent Mauvignier, de manipuler le temps comme une glaise, de l'étirer pendant les scènes d'action pour en montrer tous les enjeux, de produire des ralentis presque cinématographiques. Et c'est là où, à mon sens, le roman est vraiment réussi. Vos choix formels, ils ne s'opposent pas à l'intrigue, ils ne s'opposent pas au suspense. Au contraire, ils les renforcent. Histoire de la nuit, c'est à la fois un des thrillers les plus tendus que j'ai jamais lus, et en même temps, c'est une expérience littéraire, un texte d'une grande originalité, une grande beauté formelle. Et tout cela conflue pour produire un livre auquel nombre de critiques auraient donné un grand prix dans un fauteuil. Voilà. Et alors, je vais commencer par une question un petit peu naïve, hein, Laurent. Voilà, la violence, c'est un enjeu important dans votre œuvre, qu'il s'agisse de la violence du stade du Hesel dans la foule, la violence en germe de Samuel, l'adolescent de votre roman précédent Continuer, ou la violence d'une guerre dont on parlait tout à l'heure. Pour autant, vos romans précédents me semblent tout de même assez loin de ce qu'on appelle la littérature de genre, c'est-à-dire le polar, le thriller, etc. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous lancer dans un thriller et dans un thriller de cette ampleur? Alors, c'est un cheminement qui est un petit peu long et un peu particulier. Alors, il y a eu des biais. Vous savez, quand j'avais sorti mon deuxième roman, qui était un roman Apprendre à finir, qui était un roman dont on disait qu'il était très psychologique, et il l'était en partie, je me souviens, j'avais rencontré une éditrice de littérature. De polar, qui était spécialisée en polar, mais en littérature étrangère. Oui. Et elle m'avait fait cette remarque qui m'avait beaucoup troublé. Elle m'avait dit, mais vous le savez pas, mais en fait, vous êtes un auteur de polar, mais vous le savez pas. Et ça m'avait beaucoup troublé en même temps, quand elle me l'a dit, j'ai tout à fait reconnu ce qu'elle avait dit comme étant une chose vraie. Et je l'ai reconnu dans l'idée, dans la question de comment on attaque. Hein, par exemple, dans ce livre, dans Apprendre à finir, qui était effectivement pas du tout un polar, qui était vraiment un drame psychologique très à la française, pour le coup, on peut dire, même si l'écriture n'était pas très à la française, il y avait cette idée, par exemple, de la femme qui attend son mari, qui est bloqué chez elle, etc. Ça aurait presque pu ressembler à Misery, en fait. Oui, il Vous y avait un voyez? suspense. Ouais. Malgré tout, il y avait un petit peu ça. Par exemple, elle regardait est-ce que le téléphone a bougé, est-ce qu'il s'est levé, est-ce qu'il a appelé sa maîtresse, etc. Des choses comme ça. Et la question de comment on focalise sur un détail, comment on focalise sur une attente, comment on focalise. Et sur des choses comme ça. Ça a toujours été présent dans mes livres, tout le temps. Mais c'est vrai que ce qui a changé, c'est la façon de le problématiser vraiment dans un genre. C'est-à-dire d'assumer l'idée que ce soit
repérer dans un genre. Alors avant, c'était plus. C'était là, mais c'était distillé dans plusieurs genres, dans plusieurs. Dans des questions. Mais ça, sans doute, parce que je suis plutôt cinéphile et que la présence du genre, elle est là, parce qu'elle est complètement, j'allais dire, irriguée par le cinéma, quoi. Oui. Ça, c'est évident que ça joue beaucoup. Là, dans le cas d'Histoire de la nuit, c'est en fait, il se trouve que j'avais réalisé un court-métrage en 2017, un court-métrage qui était un petit peu, dont l'écriture était un petit peu théâtrale, les personnages parlaient beaucoup, etc. Et j'espère que ça donnera d'ailleurs une pièce de théâtre, c'est en train de se développer sur un autre plan. Et donc, j'ai voulu après ça écrire un film, un autre court-métrage, mais qui serait beaucoup plus silencieux, beaucoup plus. Parce que j'avais envie de toucher vraiment la question de l'espace, du déplacement des corps dans l'espace, etc. Et donc j'ai commencé à écrire quelque chose là-dessus, et rien de mieux pour moi que la prise d'otage là-dessus. Parce que je me disais, les gens n'ont pas besoin de se parler, on ne sait pas qui ils sont, etc. Je ne pensais pas forcément au western spaghetti ou des choses comme ça, mais avec l'idée d'un espace, de corps qui se déplace, où chacun fait attention à l'autre. Tel geste d'un seul coup prenant une signification énorme, etc. J'ai commencé à écrire un film là-dessus, ça faisait 25 pages, et puis pour tout un tas de raisons, le film s'est pas fait, mais j'étais avec ce scénario et je me disais quand même, ce serait marrant de savoir, tiens, comme quel roman ça pourrait donner. Il y avait une espèce de D'accord. curiosité presque, de simplement, presque naïve en fait, de se dire, tiens, mais qu'est-ce que ça pourrait donner comme livre, en me disant aussi. Qu'il faudrait surtout pas que ça donne juste un scénario Romancé, romancé, voilà. oui. Mais l'idée, ce serait plutôt quel est l'espace de la littérature là-dedans. Et donc j'ai commencé à creuser et à me dire la seule chose qui pouvait faire que un scénario de genre avec des codes hyper repérés qu'on a vu des milliers de fois à la télévision, au cinéma, etc. Qu'est-ce qui pourrait faire que dans la littérature, on les découvrirait comme si on les avait jamais vus? Mais et en fait, je me suis posé cette question-là parce que je me suis posé la question, vous savez, dans la vie, vous arrivez, alors ça, pour le coup, c'est un truc que j'avais vécu déjà dans d'autres livres, dans l'écriture de d'autres livres, hein, se dire comment les situations banales ou les situations comme ça très repérées, quand elles arrivent dans la réalité, quand elles vous arrivent, comment d'un seul coup, elles deviennent extraordinaires. Alors qu'en même temps, par exemple, vous êtes là avec votre petite amie et puis elle vous dit comme ça, je te quitte. Vous voyez, le truc total. Si vous regardez ça de manière un petit peu objective, vous voyez bien que la scène est totalement ridicule, d'une Voilà. banalité affligeante. Mais sauf que vous êtes juste en train de vous faire larguer et c'est terrible. Exactement. Ouais. Eh bien, moi, la question, c'est en fait, au fond, j'allais dire, c'est une question aussi bête et aussi centrale que ça. Comment cette équation, qui est impossible à résoudre en réalité, mais qui est pour ça intéressante, comment faire que ce qui vous arrive est totalement insupportable et totalement violent et totalement invraisemblable d'une séparation, vous êtes en train de vous faire larguer, et comment en même temps, cette chose est totalement. Banal, totalement quelconque et totalement, j'allais dire, c'est l'industrie de la séparation, vous voyez, Oui, tout à fait. c'est quelque chose, c'est complètement un lieu commun. Et comment, malgré tout, ce lieu commun, quand on le vit, quand on l'éprouve, devient extraordinaire. Et moi, c'est un truc que j'ai quasiment dans tous mes livres. Cette question-là me hante totalement. Et dans Histoire de la nuit, avec la question du genre, se posait pour moi la question de dire, à quel endroit la littérature pourra faire ressentir que ce qu'on connaît au cinéma de la question du genre, à savoir, se dit, bon, là, les tueurs arrivent, les prises d'otages, etc. Mais dans un film ou à la télévision, on sait qu'ils vont dire deux, trois phrases tout à fait convenues, hyper formatées, mais il va y avoir une coupe et puis on sera 2 heures après. Oui. Ben moi, je me dis, comment la littérature peut assumer le fait de la durée de ces 2 heures. Oui, Comment on comment va est-ce... durer, voilà, comment on va faire vivre tout ça, tout ce qui serait de la réalité, tout ce qui serait de l'ordre, dire merde, ce qui m'arrive là, oh, mais vous savez, quand il y a quelque chose, on aime avoir peur au cinéma,
ou dans la fiction générale, parce qu'on sait que cette fiction, elle nous, cette peur, elle a un côté cathartique. Oui, Elle tout à nous fait. permet d'expurger des choses, etc. Sauf que quand c'est une peur qui vous arrive dans la vie, vous savez bien que ce n'est pas une peur cathartique, vous savez bien que c'est une Exactement. peur qui est liée à un danger réel. Et moi, la question, en écrivant, c'est de me mettre à la place des personnages, de me dire, essayons de trouver la peur réelle dans cette peur qui est quand même une peur de fiction. Oui, Trouver c'est... cet espace-là, quoi, trouver cet endroit qui se joue là. Et de là, d'ailleurs, cette écriture qui vous permet justement de montrer, de cerner complètement les personnages, de nous faire rentrer dans leur intériorité et de nous faire voir effectivement ce qui pourrait n'être qu'un fait divers de quelques lignes dans un journal local, de nous faire voir par leurs yeux toute cette nuit, en fait, c'est ça. Ouais. Et cette écriture, elle a aussi quelque chose de cinématographique, j'ai trouvé, dans le sens où on a parfois l'impression de travelling à travers vos phrases qui sont longues et qui nous éclairent comme ça un détail après l'autre, ou une impression, je n'ai pas le vocabulaire de cinéma, mais une succession de plans comme ça séparés par des virgules. Est-ce que vous avez pensé au côté, alors c'est une écriture qui est très littéraire en même temps, hein, mais est-ce que vous avez Oui, mais vous pensé à ça? savez, ça c'est un truc qu'on dit tout le temps, parce que quand l'écriture est visuelle, on dit tout le temps qu'elle est cinématographique, mais regardez, moi des travelling, je vous en trouve chez Homère, je Chez vous en trouve Proust, chez oui. Shakespeare, je vous en trouve chez... Je veux dire, avant l'invention du cinéma, il y avait déjà des travelling. Moi je pense que le cinéma réalise un fantasme de la littérature. Oui, c'est vrai. Et en même temps, les travelling littéraires permettent aussi de, justement, ce que vous faites souvent, c'est de glisser dans les intériorités, Bien sûr, de oui, bien passer. sûr. Et ça, le cinéma ne peut pas le faire. Et vous produisez donc Non. un effet qui est spécifiquement littéraire et Ouais, tout qui, à fait. à mon avis, participe de la force du roman, puisque vous nous montrez les psychés à la fois des otages, hein, et aussi les psychés les psychés de ceux qui les séquestrent. Et justement, je voudrais qu'on parle un petit peu de ces personnages. Vous mettez en scène d'abord une famille, Marion, cette mère qui sourit peu ou pas, qui cache sans doute des secrets, et dont on va fêter le 40e anniversaire. Il y a Burgoyne, Patrice Burgoyne, le père, qui est lui engoncé dans sa grande carcasse. Il y a Ida, leur fille, vous le comparez à un ours, la maman. Oui, il se compare à un ours, je me souviens bien. Il y a Ouais, Ida aussi, c'est vrai. leur fille de 11 ans. Et vous leur ajoutez une artiste, qui est Christine. Christine, c'est une peintre. Elle vit avec eux enfin, elle vivait d'abord avec Burgoyne avant qu'ils se marient, si j'ai bien tout Ah, c'est la saisi. voisine, elle vit pas avec eux, C'est elle la vit, voisine, c'est la oui. voisine de Oui. maison. Dans le hameau, il y a Voilà, trois elle est. maisons en fait, et elle est la voisine directe. Ils ne vivent pas dans la même maison. Voilà, ils ne vivent pas dans la maison. Mais justement, alors, avec cette famille prise en otage, le cahier des charges du thriller était déjà rempli en quelque sorte. Pourquoi est-ce que c'était important de leur adjoindre une artiste? Parce que je sais pas en fait comment ça s'est fait. Ça s'est fait un peu comme ça. Je sais pas pourquoi. Je me souviens plus comment c'est venu. Peut-être parce que j'ai besoin de poser les choses de manière très spatiale. J'ai vraiment Oui. besoin de créer de l'espace entre les uns et les autres. Donc que ce soit dans un hameau avec donc il fallait trois quatre maisons. Il y avait une maison vide et je voulais pas que tout soit dans la même maison. D'accord. Donc ça, c'était important que tout ne soit pas dans la même maison. Et comment Christine est arrivée, je ne me rappelle plus en fait. Honnêtement, je me souviens plus de... Vous savez, c'est toujours curieux quand vous posez des choses dans un livre au début de l'écriture. Ça m'est arrivé mais des tonnes de fois, je connais plein d'écrivains à qui ça arrive, se dire, par exemple, ah non, mais ça, je peux... Ou quelqu'un va dire, mais pourquoi là, tu pourrais changer ça, par exemple, tel personnage, il pourrait être plus jeune. Ah ben non, c'est pas possible parce qu'il est né C'est en pas telle possible. année. Oui. Et Et parce oui, que voilà. une fois que c'est fait en fait, il Oui. existe. C'est trop tard. Oui. Et il y a des choses, je pourrais plus vous dire pourquoi c'est là. Simplement, à partir du moment où Christine existe, je me pose plus la question de savoir pourquoi elle existe. Et je serais même D'accord. plus capable quasiment de remonter. Alors qu'il y a bien un moment où effectivement j'ai décidé qu'elle existait, j'ai décidé de pourquoi elle existait, j'ai décidé de comment elle existait. Bien Mais sûr. il y a quelque chose qui se nourrit tellement dans la Vous savez, c'est 2 ans d'écriture, un livre comme ça, mais c'est tellement présent qu'il y a un moment, on ne se pose plus du tout la question de savoir pourquoi les choses sont là. On Elles se dit, sont bah, là, c'est comme ça, elles sont c'est comme là, ça. et c'est comme ça. Et ça devient une espèce de réalité. Alors qu'en
jusqu'au dernier moment, effectivement, je pourrais décider qu'elle est, ou que c'est un homme, ou que ceci, cela. Je pourrais, Ouais. mais c'est des choses Mais qu'on oublie. Enfin, moi, je le sais pour moi dans ma pratique, mais en discutant parfois avec d'autres écrivains, je vois bien qu'il y a on a la même chose les uns les autres. C'est qu'un seul coup, ça devient tellement vrai dans la fréquentation, finalement, qu'on a ouais. avec l'objet qu'on est en train de construire, qu'on ne se pose plus du tout la question de notre pouvoir à nous, de créateurs, de décider des choses, mais plutôt du dialogue qu'on entretient avec notre création. Avec votre création, oui. Et finalement, en train de se dire, ah oui, mais Christine, elle a dit ça, donc si elle a dit ça, c'est que c'est vrai. Vous voyez, D'accord. ça, parce que 6 mois, il s'est passé 6 mois entre-temps, donc Oui. ça devient un souvenir. Oui, et puis ça devient un des éléments de base du livre que vous avez posé. Vous avez Ouais. beaucoup construit dessus. À la fin, la question des fondations, j'imagine que lorsque vous arrivez au milieu du livre, la question des fondations ne se pose plus et vous allez plus toucher à des choses Ouais. voilà, qui ont servi à monter le reste. Et justement, cette famille, je parlais de Christine parce qu'on commence aussi par elle, c'est elle qui prononce Ouais. la première phrase. Cette famille, vous nous la présentez pendant toute une après-midi, ça dure, si je me souviens bien, un peu plus de 100 pages, et on les voit agir pendant toute une après-midi avant que l'horreur se déchaîne sur eux. Alors, en fait, question faussement naïve, hein, beaucoup d'auteurs de thrillers disent qu'il faut démarrer pied au plancher, dans l'action, prendre le lecteur à la gorge, le jeter tout de suite dans l'intrigue et surtout pas le laisser souffler avant la fin. Vous, au contraire, vous prenez pas mal de place, hein, pour installer votre histoire Ouais. et pour qu'on. Moi, je vois bien pourquoi vous le faites, mais à votre avis. Enfin, dites-moi, pourquoi est-ce que c'était important justement de nous les présenter si longuement? Déjà parce que moi, il se trouve que ce livre, il croise l'univers du thriller, mais moi, je suis pas un écrivain de thriller, je suis pas un écri... Ouais. je suis Moi, je découvre des personnages, je raconte une histoire, je raconte et donc j'essaie d'approfondir les choses. Et pour moi, là où c'est extrêmement important, c'est que si je veux qu'il y ait une intrusion de l'étrangeté, du passé, de quoi que ce soit d'ailleurs, il faut que je donne au lecteur l'impression qu'il est avec ces personnages et que cette intrusion, elle va être faite dans son monde à lui. Si je démarre pied au plancher, si je démarre comme ça, mais moi je suis désolé, le lecteur il va connaître du coup de la même manière les gens chez qui on arrive et les gens qui débarquent. Alors que moi je veux pas ça. Moi c'est très important qu'on sache qui est Burgoyne parce que chacun a son histoire et que cette aventure-là elle pourrait ne pas arriver. Et moi je veux Bien qu'on sûr. ait le surgissement, qu'on ait cette découverte comme ça, on a prévu quelque chose, puis finalement c'est autre chose qui va arriver. Mais il faut qu'on soit. Moi je veux mettre le lecteur à hauteur des personnages principaux. Oui. Pour moi, ça c'est très important. Et c'était par exemple dans la guerre d'Algérie pour des hommes. On m'avait un peu posé cette question-là aussi. Je me disais, quand même, c'est arrivé sur la guerre d'Algérie, quand même, votre guerre d'Algérie, elle arrive au bout de 120, 130 pages. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tout ce truc avec une broche, une salle des fêtes, un anniversaire, etc., etc. À quoi ça sert? Et pour moi, c'est absolument capital parce que Mais oui. je disais, c'est pas un livre sur la guerre d'Algérie, c'est un livre sur la mémoire que la guerre d'Algérie a laissée sur des gens. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un thriller qui s'immisce dans la vie des gens, mais je n'écris pas un thriller, j'écris comment un thriller entre dans la vie des gens. Ce qui Oui, comment on m'intéresse, peut moi, c'est vivre un les thriller? gens. Oui. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et donc, à partir de là, je suis avec mes personnages. Il se passe qu'ils déboule un thriller dans leur vie. Oui, Mais comme ça vaut. pourrait débouler un livre de guerre dans leur. Vous voyez, c'est la question du genre. Pour moi, c'est pas les personnages ne naissent pas du genre, c'est le genre qui naît de la rencontre avec les personnages. C'est très C'est vrai. important, ça. Alors, c'est intéressant. Vous me rappelez le roman Le Chardonneret de Donat Tartt, où le personnage traverse comme ça des moments, une période de sa vie où il est orphelin. C'est une période Dickens. Puis après, il va connaître une adolescence débauchée et ça sera écrit dans le style de Bret Easton Ellis. Et puis après, il va s'intéresser à l'art et ça sera une allusion à un autre cadre romanesque. En effet. Et puis c'est vrai qu'aussi, creuser vos personnages comme ça au début, ça vous permet d'éviter, hein, ce dont on parle au début, un petit peu
les stéréotypies du thriller, à savoir des personnages qui sont des victimes et qui ne sont rien d'autre, qui sont des espèces de boîtes dans lesquelles on peut mettre tout, passer tout notre imaginaire sur les victimes, et ça vous permet en quelque sorte de l'humaniser et de le rendre effectivement plus crucial pour nous. Tout à fait. Ouais. Non, et puis ouais. Ça, pour moi, ça a, ça a aussi une autre importance, c'est de voir qu'effectivement, ce ne sont pas des pantins. Ce ne sont pas des pantins qui vont être là, tremblotant devant trois types affreux, quoi. L'idée, c'est pas ça du tout. C'est vraiment de, par exemple, quand on voit tout le parcours de Bergogne au début, on se dit que c'est un type complexe qui est une victime sociale de la condition paysanne, etc. Mais quand on le voit partir en ville chercher officiellement le cadeau de sa femme et puis finalement s'arrêter quand même voir les prostituées du coin, etc. On se dit, bah, ce type, il est ce n'est pas qu'une victime, il est aussi lui-même dans une position un peu de bourreau à un moment donné. Et, tout à fait. Vous voyez, moi, pour moi, c'est important, par exemple, d'expliquer qu'en fait, il a eu deux frères, ils étaient trois frères. Donc, ça fait écho aux trois frères qui vont venir aux trois frères qui vont venir là-bas. Ouais. Vous voyez, pour moi, il y a toujours des espèces comme ça, une façon de fabriquer sur un mode mineur, mais de fabriquer des relations qui vont permettre de dire que vous êtes dans une situation, mais finalement, il aurait peut-être fallu pas grand-chose pour que vous soyez dans celle de l'autre côté. Donc, c'est très important pour ça. Et c'est très important, par exemple, de montrer que Marion, qu'on voit au début du livre comme quelqu'un de plutôt fort et de plutôt à la fois positif, mais de quand même de assez qui s'en laisse pas compter, etc. Oui. De voir que quelqu'un qui peut être aussi fort à cet endroit-là a été pour le coup réellement la victime de quelque chose de terrible avant. Et ça, de le découvrir au fur et à mesure. Pour moi, c'est une façon de créer des espèces de passerelles. Vous voyez, par exemple, quand vous dites Bergogne, il dit lui-même à un moment, tout au début du livre, il dit à sa fille, quand elle vient le voir avec deux dessins qu'elle a fait pour sa mère, et puis il dit qu'il ne peut pas choisir parce que lui, il n'est qu'un ours. Oui. Ça, par exemple, pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on est dans l'univers du conte. L'histoire de la nuit, c'est un livre que lit Marion à la petite Ida. C'est des contes. Et à un moment, elle regarde un film, c'est La Belle et la Bête. Et pour moi, par exemple, Marion et Bergogne, c'est évidemment La Belle et la Bête, par exemple. Il y a des échos comme ça tout le temps, des choses qui se renvoient les unes les autres. Parfois de façon très explicite, parfois de façon plus implicite, plus souterraine. Mais j'aime beaucoup prendre le temps de tricoter plein de petites choses qui créent du lien pour moi dans la construction, qui en créent parfois pour le lecteur, parfois pas forcément, mais on peut s'en passer. Mais si on les voit, je pense que ça crée un plaisir supplémentaire de lecture. Mais pour moi, c'est important parce que ça crée vraiment des figures, en fait. Oui, ça complexifie. Il y a un moment, lorsque vous parlez justement des personnages qui auraient pu glisser dans un rôle ou dans un autre, il y a une scène que je trouve assez sidérante, c'est lorsque un des frères, pas le mieux loti, on va dire, celui qui s'appelle Beg, se retrouve avec Christine et regarde ses peintures, et on s'aperçoit qu'en fait, lui, il avait fait du dessin, qu'il aurait pu avoir une ouverture là-dessus. Ça aussi, c'est un côté qui le rend... C'est intéressant parce que c'est le personnage le plus fruste, en quelque sorte, du roman. Il aurait pu être réduit à son rôle de dangereux fou, en quelque sorte, de fou dangereux, en quelque sorte. Et ben, c'est pas ça, c'est aussi un pauvre gosse. Ouais. Mais ça, pour moi, c'était très important parce que... Alors, lui, il est composé à partir de plein de gens que j'ai pu croiser dans ma vie, des fois des gens que j'ai rencontrés vraiment de manière... qui ont été, je pense, à un ami d'adolescence, pour le coup, qui a vraiment basculé dans la folie, dans la schizophrénie, etc. Et avec des images, il y a des histoires de Beck que j'ai vraiment pris là. Mais c'est curieux, d'ailleurs, de ce point de vue-là, parce que c'est un livre qui est à la fois mon livre le plus romanesque et j'ai l'impression que c'est mon livre le plus autobiographique. Vraiment. Celui qui est le plus en prise avec des choses très concrètes dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y aurait à l'intérieur du livre caché comme ça des milliers d'éléments de votre vie qui... Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Mais parce que justement, c'est ce que le genre du coup a permis, ça je me suis rendu compte en écrivant le livre, le genre permet au contraire complètement
Comme disait, longtemps je me suis couché par écrit, comme disait l'autre. Et j'ai jamais eu à ce point-là l'impression de le faire. Parce que justement, D'accord. le genre me libérait complètement de la, ou de la confession ou de la tentation autobiographique. Seul coup, je pouvais dire plein de choses. C'était très étrange et très, très, très jouissif, en fait, ça. Et Beck, c'est un personnage que. Une fois, par exemple, j'ai travaillé, quand j'étais très jeune, je travaillais dans une, à Tours pour une association, un centre d'art contemporain. Et on avait fait une exposition qui était à Chambord, une exposition MAG. Et il y avait dans les gens qui travaillaient là, il y avait un jeune type, bon, complètement fou, je ne sais pas comment dire, quoi. Le type, il avait envie de lacérer des tableaux, quoi. Il avait un bon arc, une fois, il avait envie de lacérer, on l'avait sauvé le tableau un peu. Et c'est une figure qui m'a beaucoup marqué. Et parce qu'en même temps, il y a ce mélange toujours effectivement, de cette démence, cette brutalité, mais qui est liée à l'art, Oui. qui est liée à la beauté d'un tableau. Je me souviens de ce tableau de Bonnard, c'est la jeune fille couchée. Ce tableau était d'une fragilité, il était d'une beauté extraordinaire comme ça. Et puis il y avait ce type-là qui était là, hein, qui était censé garder le tableau, mais qui avait envie de lui donner des coups de boule, qui avait envie de le brutaliser. Et donc, ça avait été voilà, ça avait duré 2, 3 jours, cette histoire-là. Mais ça m'a extraordinairement marqué, cette affaire-là, parce que je me disais, ouais, que la beauté était quelque chose qu'il fallait toujours protéger, parce qu'il y avait cette fragilité. Et en même temps, à la fin, je me disais, ce qui est préservé, c'est le bon art. Le tableau, il était totalement préservé, parce qu'on a été plusieurs à le sauver, d'une certaine manière, à être là. Et puis le type, il s'est fait évacuer, il a été mis hors d'état de nuire, si on veut, mais en même temps, c'est lui qui était fragile. Oui, bien sûr. Vous voyez? Et Oui. ce rapport à la fragilité de l'art, la fragilité de la beauté dans un monde qui est forcément. La beauté, c'est toujours un miracle dans la vie. Hein. Et en même temps, ce qui voulait agresser cette beauté, en même temps, la vraie fragilité, elle était là. Et cette figure, voilà, moi, cette tension-là, ça m'émeut beaucoup. Ça m'intrigue, ça me pose beaucoup de questions. Et le personnage de Beg, pour moi, et aussi parce que c'est aussi pour ça qu'il s'appelle Beg, qu'il y a ce rapport. C'est un rapport à la langue aussi, à la fragilité de la langue Oui, et de l'expression. à la difficulté de s'exprimer aussi. Vous lui Ouais. donnez un langage effectivement de type un peu acculturé. Je me souviens, il fait des fautes de conjugaison, des choses comme ça. Ouais, mais moi, ça me touche beaucoup, en fait. Ouais, bah oui, ça dit effectivement à quel point il est paumé, le malheureux. C'est ça aussi. Ouais. Voilà. Mais alors, la question était pour moi d'en faire un personnage qui soit ni. Avec lequel on serait ni dans l'opposition totale, avec lequel on pourrait redouter, ce qu'il va faire, on pourrait dire on peut avoir peur de lui et en même temps ne pas être condescendant avec lui non plus, pas se dire oh, c'est un pauvre gars. C'est pas seulement un Non, pauvre gars parce qu'on sent non, c'est. quelqu'un, Mais on sent non, quelqu'un de mais. fragile et de sensible, Oui, d'intelligent. exactement. On sent quelqu'un qui a été entravé, on sent quelqu'un qui cherche une issue hors de lui-même. Et peut-être que lorsqu'il regarde la peinture, c'est effectivement ça qui le trouble aussi. On regarde sa propre. Alors, vous évoquiez les personnages principaux tout à l'heure. Ça, c'est une vraie question parce que on s'est demandé avec des copains qui était votre personnage principal dans le roman. Je suis pas sûr que vous en ayez dans le sens où les membres de la famille sont tous fouillés. Les envahisseurs, si j'ose dire, sont divulgués petit à petit. Vous montrez petit à petit leurs raisons. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un personnage qui tienne la vedette. Est-ce que vous Non, avez construit ça? parce qu'en fait, effectivement, je pourrais dire a posteriori, peut-être qu'il y en a un ou deux, peut-être qui sont Peut-être Ida et Marion, mais. peut-être Ida et Marion, voilà. Mais sauf que le livre, comme un livre se construit sur le temps, un gros livre à plus forte raison, c'est-à-dire que toute la première partie où vraiment Burgoyne a une très grande importance dans la première partie. Là, pour moi, il était vraiment le personnage central. Après, il y avait Christine. C'était plutôt le duo au début, on va dire, c'était plutôt
Bergogne Christine. et Christine. Mais une fois qu'ils ont été construits, eux, tout le temps où ça. C'est-à-dire que moi, je découvre le livre au moment où je l'écris en même temps. Et je vois d'un seul coup, je me dis, tiens, je laisse Marion un peu de côté. Puis quand je commence à y aller, je comprends pourquoi j'ai mis tant de temps à y aller. C'est parce qu'en fait, ça me fait un peu peur de là où je veux aller. Et je vois bien que ce qui est en train de naître, ça m'emmène à des endroits qui sont un peu compliqués. Et puis au fur et à mesure, je me dis, ah, au bout de 400 pages, je me dis, ah bah tiens, en fait, il y a un rapport à la violence faite aux femmes, il y a un rapport à la domination. Bon. Et puis au fur et à mesure, Ida commence à grignoter le livre. Et puis à la toute fin, je me dis, ah non, le vrai, 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 vrai fond du Voilà, sujet, exactement, il est ouais. là. Il est Et là, ouais. voilà. Et donc ça, par exemple, c'est quelque chose que je découvre au fur et à mesure. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt une succession de personnages principaux que vraiment une hiérarchie comme ça. C'est pas Oui. totalement pyramidal. Ou alors la pyramide change elle Elle change au change cours de d'ordre, route. voilà. Les Voilà. étages sont mobiles dans cette Voilà, pyramide. tout à fait. D'accord. Alors, ce qui se remarque aussi dans votre livre, hein, c'est qu'il y a, on peut dire qu'il y aurait trois mondes qui se confronteraient dans votre ferme. D'un côté, le monde de l'art, incarné par Christine. De l'autre côté, le monde de la campagne un peu traditionnelle, incarné par Patrice et Patrice Bourgogne. Et d'un autre côté, le monde que j'imagine un peu acculturé. Fait de maisons et de télé allumées en permanence, dont viennent leurs bourreaux. Alors, cette question de la rencontre des mondes, c'est quelque chose qui revient aussi sous votre plume. On parlait tout à l'heure de Autour du monde. Je pense aussi à votre dernier livre, Continuer, qui envoyait, votre avant-dernier livre, qui envoyait une mère et son fils au Kirghizistan. Est-ce que vous avez fait ça consciemment, inviter trois Frances différentes à l'intérieur de votre livre? Et je ne suis pas sûr que vous soyez très porté sur la sociologie et sur le roman sociologique. Mais tout de même, on a tout de même l'impression d'un petit microcosme dans votre ferme. D'un côté, le monde rural, d'un autre côté, le monde de l'art, d'un côté, un monde incertain et interlope, sans valeur. Non, mais en fait, je sais pas, je ne me pose pas tellement la question comme ça, à vrai dire, mais c'est vrai que c'est une chose que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui me perturbe, moi, dans ma vie, qui m'a beaucoup perturbé dans ma vie. C'est que moi, je viens d'un milieu ouvrier, d'un milieu rural, comme ça, et où j'aurais dû rencontrer peu de gens, mais passer ma vie avec ces gens, en fait. Et il se trouve que la vie, pour plein de raisons, m'a emmené plutôt ailleurs et qu'au fond, puis après, je pense que c'est aussi ma personnalité qui a voulu ça, mais et ce qui fait que je suis toujours comme un espèce d'enfant un peu, pas émerveillé, parce que pas toujours émerveillé, mais en tout cas toujours étonné de me retrouver dans des situations où je vois des gens où, et très souvent, il m'arrive de voir que les gens ne sont pas les gens. Mais ils sont l'endroit où on les met, ils sont l'endroit d'où ils viennent, ils sont tous les codes, on ne voit que les codes en fait, on ne voit pas eux. Alors moi j'ai toujours envie de dire aux gens, non mais bon, c'est bien, mais arrête tes conneries, qui es-tu derrière ça? Je veux dire, Oui, vous voyez? Et arrête de jouer au personnage balzacien, sors de ton voilà, naturalisme. exactement, Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et pour moi c'est une énorme question, c'est une énorme question. Et c'est un énorme moteur d'écriture. Ça, mais parce que c'est un étonnement permanent. Mais vous savez, il y a ça dans le film de Duras, dans Nathalie Granger. Depardieu vient vendre des machines à laver. Il est VRP, il vient vendre des machines à laver. Et puis les deux filles lui demandent tout le temps, comme ça en permanence. Elle l'interrompt à chaque fois. Puisque lui, il parle 1600 tours minute de la machine, etc. Et oui, d'accord, mais vous êtes qui? Et il relance à chaque fois sur sa fonction. Et à chaque fois, elle lui coupe la parole, à chaque fois, elle revient et dit, oui, mais vous êtes qui? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous D'où vous parlez? Vous êtes qui, derrière le quoi? vendeur? Voilà. Et à un moment, c'est la panique. Et au fond, moi, c'est vraiment une question que je trouve absolument centrale. Parce que vous savez, quand vous commencez avec un personnage, au début, c'est jamais un personnage, c'est à peine un personnage, c'est un cliché, c'est une image, c'est un cliché. Oui, une C'est-à-dire, par exemple, esquisse. pour continuer, c'était la mère, l'adolescent. L'adolescent, forcément, l'adolescent en rupture, l'adolescent en colère, la mère seule, paumée, etc. Bon.
Et puis au fur et à mesure, vous travaillez, donc vous épaississez un peu les choses, puis vous arrivez à construire un personnage. Mais un personnage, ça a toujours ce petit truc un peu insatisfaisant du romanesque au sens fabriqué du terme, quoi. Et alors vous continuez encore un peu, vous travaillez, vous cherchez, et puis ça marche quand il y a un moment, vous oubliez complètement que c'est un personnage. Et bien, et il y a un moment, il y a une petite chose qui fait qu'on passe du personnage à la personne, à une personne, et où ça va vous marquer de telle manière que vous aurez l'impression de toucher quelque chose, peut-être d'une vérité humaine, même si ça peut paraître présomptueux de dire ça comme ça, mais de quelque chose qui vous interpelle un peu plus, qui vous trouble plus. Et moi, c'est vrai que c'est quand même une question très récurrente sur la façon dont on écrit des livres. C'est pas pour écrire des personnages de plus, en fait, quoi. C'est Oui. plutôt pour essayer de comprendre. Alors, il y a cette dimension sociologique, évidemment, mais qui m'intéresse pas tant que ça, parce que je pense que la sociologie, pour le coup, le dit très bien, elle a pas besoin de nous, quoi. Mais il y a quand même cette façon, moi, qui me, à la fois, je suis, voilà, de ces panoplies, de ces fonctions dans lesquelles, auxquelles on fait tous semblant de ressembler, parce qu'on y travaille beaucoup. Oui, bien On sûr. travaille beaucoup à être crédible dans des rôles qu'on Dans le se donne. milieu, en Voilà. effet. Ah, c'est très sartrien, hein, c'est le garçon de café Ben, c'est ça, de la oui. nocée, ça, en quelque sorte. Mais oui, ouais. Ouais. Et moi, c'est une question qui me hante totalement. Parce que je trouve que c'est une question, pour un romancier, c'est une question totalement centrale, parce que vous voyez bien comment vous construisez un personnage, vous voyez bien, puis vous voyez bien comment. Et du coup, dans la vie, vous voyez des personnages. Oui. Dans la vie réelle, plus moi j'ai écrit des personnages dans mes romans, plus dans la vie réelle, je vois Vous les des retrouvez. personnages. Oui. Et il y a des moments, je me dis, il y a des moments, je trouve plus de vérité humaine dans des livres, parce que justement, la question de la panoplie est réglée, ou elle est posée, ou elle est mise en contradiction, alors que dans la vie, elle ne l'est pas tout le temps. Oui, dans la vie, parfois, on ne peut voir que la panoplie. Vous, Voilà. ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin effectivement de ces éléments sociologiques. On parlait de Beck tout à l'heure. Ce qu'on voit assez rapidement, c'est qu'il a les cheveux teints en blond, si je me souviens bien. Ouais. Voilà. Ça, tout de suite, ça, pour un lecteur, ça permet Ouais, on de le voit ce situer un que. petit peu. Voilà, on voit un petit peu. Et après, en revanche, vous donnez des éléments qui vont, le dessin, par exemple, qui vont permettre de dévier un petit peu de la route imaginaire qui se trace lorsqu'on voit ses cheveux blonds, en quelque sorte. C'est ça qui rend Oui, le mais ça, c'est personnage un peu intéressant. comme la musique répétitive aussi, vous voyez. C'est le Ouais. truc de prendre des motifs et puis de se dire, tiens, on met à chaque fois une petite variation et on a le cliché voudrait qu'il soit comme ça, parce Ouais. qu'il est comme ça. Mais Ouais. sauf que si vous prenez le temps de passer 2 heures avec quelqu'un qui pourtant ressemble beaucoup au cliché de tel ou tel genre, vous voyez très bien qu'en fait, les gens ne sont jamais totalement conformes à un cliché. Non, Il y a oui. toujours la petite phrase qui va vous surprendre, tout le temps. Mais c'est des fois une petite phrase complètement qui n'a rien à voir, quoi. Je sais pas, vous allez tomber sur un espèce de gros baraqué complètement tueur comme ça qui d'un seul coup va vous dire qu'il aime beaucoup l'odeur du jasmin par exemple. Oui, Alors ça va voilà. complètement vous dérouter et d'un seul coup vous dites bah non le gars il n'est pas là il y a un endroit de lui qui n'est pas là et ça moi en tant que romancier bah, d'un seul coup c'est ça que je vais vous c'est ça qui va m'intéresser c'est cet écart que ça produit et parfois l'écart il est minuscule totalement minuscule insignifiant. Mais en réalité, il est énorme parce que Oui. si vous commencez à le construire à partir de là, si vous le regardez à partir de cet écart, même s'il est minuscule, ça devient Oui, un personnage, incroyable. ça devient un personnage multidimensionnel. Alors Ouais. même que, ouais. D'accord. Et alors, vous avez déclaré il n'y a pas très longtemps, je cherche à écrire des histoires vraies que je n'ai pas vécues ou qui n'ont pas été vécues. C'était pour le site de Diacritique, si je me souviens bien. Ouais, c'est possible. Ouais. Voilà. Et bah, j'aime bien cette phrase parce qu'elle décrit à la fois un horizon hein, que poursuivent beaucoup de romanciers et c'est des histoires vraies qui n'ont pas été vécues, des histoires qu'on trouve vraies. Et en effet, lorsque j'ai fini Histoire de la nuit, j'ai eu en fait au bout l'impression d'être rentré à l'intérieur du monde qui est
montré en résumé dans les petits faits divers des pages locales des journaux pour lesquels j'ai travaillé autrefois. En fait, vous avez étendu cette matière, mais qui peut être résumée en quelques lignes. Question idiote, vous avez lu beaucoup de faits divers pour réussir à trouver ça, justement. Non, pas Non. du tout, non. Non, mais j'en ai vécu quelques-uns, on va Vous avez dire. vécu quelque... C'est vrai. Aïe. Non, c'est une ambiance que je connais bien, ouais. Et puis, non, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de le. Je crois que c'est quelque chose qu'on connaît tous un peu intimement, en fait. Oui. Mais vous voyez, par exemple, sur le fait de venir de la campagne, par exemple, c'est il y a un rapport au son, il y a un rapport à la peur, il y a un rapport à un truc qui est complètement différent de ce qu'on peut vivre en ville. Avec C'est-à-dire l'éloignement, l'éloignement, l'obscurité, la nuit, je sais pas, c'est des sensations. Et puis toujours se dire que pour moi, le fait divers, il est très proche de la tragédie, mais il est très proche du conte, il est très proche d'une grande ampleur littéraire, en fait. Il n'est jamais très éloigné. On a toujours envie de dire, oui, c'est la rubrique chien écrasé. On peut le voir en petit, mais on peut le voir aussi à l'inverse. On peut le Bien voir de manière sûr. totalement panoramique et pas de manière. C'est selon l'option, quoi, et selon l'optique. Et puis la littérature a beaucoup travaillé ça. Voilà, moi, c'est une question qui est très importante, cette question, pas seulement du fait divers, mais à travers le fait divers, du comment on donne au réel la dimension, une dimension littéraire. Pareil, bon, moi, j'avais été très influencé par De sang-froid de Truman Capote. Ça fait partie des livres qui ont justement sur cette façon de comment on peut d'un seul coup regarder un fait divers à la hauteur vraiment d'une tragédie. Bien sûr. Mais ce qu'il faudrait faire à chaque fois, c'est-à-dire Faudrait, bien sûr. plutôt que de ramener chaque drame au fait divers, à la Au fait. rubrique, effectivement, au Ouais. fait, quoi. Comme Ouais. ça, on devrait plutôt souligner la tragédie ou L'humanité, le. l'humanité et l'énormité de la chose, en fait. Parce qu'à chaque fois, c'est énorme. Et c'est vrai, pour avoir été petit journaliste de faits divers dans un journal local, je peux tout à fait vous dire que derrière les brèves qu'on écrivait sinistres dans ce journal, il y avait des vrais drames et des vraies histoires incroyables Bien sûr, ouais, c'est évident. Ouais, à raconter. ouais. Ouais. Alors, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Bon, je vais vous poser une question plus générale. Au journal dans lequel je travaille, on dit qu'il y a deux sortes d'écrivains. Les sériels, ceux qui poursuivent toujours la même impression, creuse toujours le même sillon, comme Patrick Modiano, qui court après Je un pensais passé naissant, que voilà, qui est, je... ou dans un style complètement différent, Stephen King, qui court après une sensation d'épouvante, et puis d'autres écrivains qui se réinventent à chaque livre. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans cette famille-là. J'ai l'impression qu'à chaque livre, en fait, vous inventez, avec l'histoire, une forme qui lui correspond, que vous n'hésitez pas à modifier votre écriture si l'histoire l'exige. Est-ce que pour vous intéresser, pour que vous y lanciez, un projet de livre doit présenter ces deux enjeux? Ce ne doit pas être seulement une bonne histoire à raconter, ça doit être aussi la possibilité d'une expérience formelle, d'une aventure formelle. Je dirais qu'il y a deux choses peut-être qui. Je crois qu'il faut à la fois que j'ai l'impression de me lancer dans un livre que je ne sais pas faire. Et puis l'impression de répondre à une sorte d'injonction qui a commencé avant le désir d'écrire ce livre. C'est-à-dire que soit parce que j'ai déjà écrit 30 pages de quelque chose dont je ne sais pas ce que c'est. Soit parce qu'il y a des images, des idées qui me reviennent comme ça, des embryons de personnages, ou parfois ça m'arrive comme ça d'avoir des espèces d'images, presque c'est presque hallucinatoire un petit peu comme ça, et puis ça dure des semaines. Vous voyez, à un moment, j'avais une femme à 3 h du matin en train d'écraser ses cigarettes, cendrier en fer blanc, droitière, peignoir, rose pâle. Tout, c'était très très précis comme ça, et ça a duré des mois, des mois et des mois. Mais juste un flash, c'était. Elle écrase son truc, elle attend, elle inquiète la nuit. Comme ça, mais bon, au début, une image, puis ça revient, puis ça revient, puis ça revient. Un jour, je lis un article dans Le Monde sur une histoire d'un père et son fils qui vont au Kirghizistan, etc. Rien à voir avec ma femme, avec ça. Et à un moment, cette image-là rencontre ce fait divers,
Et ça crée quelque chose d'un seul coup. C'est une alchimie pour me débarrasser de cette obsession, de cette D'accord. image qui m'obsède. Et donc, je me dis, bon, un livre d'aventure, un western avec une femme, très bien, ça me va, allons-y. Et donc, ça commence parce que voilà, j'ai ça. Mais c'est très compliqué ce qui fait qu'on commence un livre ou pas. Bien sûr, c'est une C'est. question d'obsession et de nécessité, vous l'avez très bien écrit, hein, bien Mais c'est entendu. pour ça qu'en même temps, je ne me sentirais pas totalement. Je trouve ça intéressant, par exemple, de dire des écrivains qui seraient comme ça, des écrivains d'une sorte de ressassement, on va dire, autour de. Et juste pour ça, je souriais parce que Modiano est la figure emblématique de ça, quoi. Évidemment. Et ce qui est fou, c'est que ce qu'on prendrait pour un défaut chez plein d'écrivains est chez lui une qualité, par Bien exemple. entendu, bien sûr, parce qu'il a un absolu vers lequel il tend Exactement. ouais, tout à fait. Et alors qu'en même temps, moi, je ne me sens pas non plus complètement de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en même temps, je sais qu'à chaque livre, même si la forme est différente, même si l'enjeu que j'y mets, moi, l'espèce de défi que je me lance ou est différent, je sais bien qu'en même temps, malgré tout, c'est quand même toujours un peu les mêmes questions sur la solitude, sur le même type de personnage, sur se faire une place dans un monde qui nous est forcément ou hostile, ou en tout cas pas très amical, comment nos rêves se confrontent au réel, etc. quoi. Enfin, comment le réel est toujours là, nous, à un moment, nous imposer sa rigidité, en fait. Ça, je sais, par exemple, il y a des choses comme ça qui reviennent d'un livre à l'autre, et de ce point de vue-là, il y aurait des points communs dans la façon de traverser la tragédie, par exemple. Alors que, par exemple, vous voyez, dans Continuer, c'était un des livres où j'avais plus clairement cette idée-là, et je m'étais dit, tout est fait pour que ce soit un livre qui aille vers la tragédie, mais à la toute fin, je vais refuser la tragédie, je vais la dévier. Alors que dans l'histoire de la nuit, c'est un peu l'inverse, au contraire, là, on y va Oui, pleinement. on y va pleinement, en effet. Voilà, après, il y a quand même des dialogues d'un livre à l'autre, la façon dont ça se Ah, c'est répond. sûr, oui. Parfois, c'est une façon de dire d'être contre le livre précédent. Vous voyez, parfois, au contraire, c'est de l'accompagner, c'est de le préciser, c'est de. Donc, c'est à la fois, effectivement, s'y opposer, faire quelque chose d'autre, et en même temps, j'ai quand même l'impression que ça travaille quand même avec aussi. D'accord. Très bien. Bon, bah, écoutez, je crois que nous avons terminé la rencontre. Le temps à partie est terminé. Grand merci, Laurent, pour votre disponibilité, pour la qualité de vos Merci. réponses. Hein. C'est vachement Merci bien. à vous. Et Bon, bah super, merci. voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés grâce au petit miracle technique réalisé ici. Voilà. Nous pouvons donc réussir à trouver des écrivains aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci.